La vie se poursuit à Spa. Après avoir été reporté de 2 jours, les Belges Folies ont finalement été maintenues. Depuis hier, les artistes belges s'enchaînent face à un public assis et masqué. L'ambiance est différente de celle des Franco, mais pour Loïc Notet, la tête d'affiche du jour, comme pour les autres, c'est un plaisir de les retrouver. Ça fait vraiment du bien parce que, au final, nous, on peut continuer en fait à donner aux gens, on peut continuer de sortir des chansons ou des clips ou on peut faire des concerts streaming, mais au final, les seuls retours qu'on a sur notre taf, en fait, c'est sur les réseaux, donc ça reste du virtuel, il n'y a rien d'humain, quoi, c'est pas un vrai partage. Et ici, dans ce genre d'exercice, bah, ce qui est cool, c'est qu'on donne aux gens, donc on chante, on interprète, on donne tout ce qu'on a, et en retour, les gens nous le rendent s'ils ont apprécié le moment, en applaudissant, en criant, enfin voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plein d'énergie qu'on reçoit et ça fait du bien. Pendant l'interview, une confidence, le chanteur-compositeur belge a été profondément marqué par les événements et les images des inondations de ces derniers jours. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que souvent, bah, c'est des gens qui déjà dans la vie n'ont peut-être pas eu beaucoup de chance, pas la chance d'avoir grand-chose, et le peu qu'ils ont, on leur enlève, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est très injuste dans un sens, et ça me fait très mal au cœur. Enfin, je trouve ça, on serait inhumain de ne pas y penser, tout simplement. Et j'y ai pensé ici aussi par rapport au Franco. On m'a posé la question aussi, on m'a dit, est-ce que pendant une seconde, tu as remis en question le fait d'accepter de jouer? Et j'ai dit, j'y ai pensé pendant peut-être 2 secondes, mais au final, je sais qu'on souffre tous tellement de ce qui s'est passé qu'on a tous besoin de s'échapper, en fait, de quitter un peu cette réalité et d'avoir l'impression que la vie reprend, la vie d'avant. Du rêve, Loïc Notet n'a pas été le seul à en donner ce jeudi au Belgo. Alex Lucas, Charles April, ces chanteurs et chanteuses belges ont tous emmené leur public ailleurs, bien loin de notre traquée actuelle.